This could be a long and difficult battle. La bataille sera sans doute longue et difficile. L'Amérique de Joe Biden vole au secours de l'Ukraine et fait pleuvoir les dollars sur Kiev. 68 milliards d'aides débloquées depuis février et une rallonge de 45 milliards votée la semaine dernière. Dépenser sans compter mais surtout sans prendre de risques dans un pays traumatisé par le fiasco de guerres interminables qui lui ont coûté cher en vie humaine en Irak et en Afghanistan. Hors de question surtout de prendre le risque d'une troisième guerre mondiale. Enveloppe colossale, armement massif et accueil en grande pompe du président ukrainien. Ainsi se décline la nouvelle politique étrangère américaine. Dans un monde où les superpuissances s'affrontent à distance, un autre front concentre toutes les attentions américaines, l'Indo-Pacifique, et notamment l'île de Taïwan. Entre Washington et Pékin, une relation à couteau tiré, que le premier face-à-face entre Xi Jinping et Biden à Bali n'a pas apaisé. Et pour la première fois cette année, le président américain n'hésite pas à promettre plus qu'une aide matérielle à Taïwan. Des soldats américains, des hommes, des femmes américaines défendraient Taïwan en cas d'invasion ? Oui. S'agit-il d'une rupture dans l'ambiguïté stratégique vis-à-vis de la petite île voisine de la Chine ? Le Pentagone a démenti dans la foulée tout changement de politique. Les États-Unis, qui pour la première fois depuis plus d'un siècle, n'ont plus de soldats engagés directement dans un conflit de grande ampleur. В этом году нам была объявлена настоящая санкционная война. Те, кто ее затеял, ожидали полного разрушения нашей промышленности, финансов, транспорта. Этого не произошло, потому что мы все вместе создали надежный запас прочности. То, что мы сделали и делаем в этой сфере, все это и направлено на укрепление нашего суверенитета в важнейшей области, в экономике. Дорогі українці, залишається кілька хвилин до Нового року. Я хочу всім нам зараз побажати одного – перемоги. І це головне – одне побажання для всіх українців. Je veux ici et ce soir en votre nom dire à nos amis ukrainiens, nous vous aiderons jusqu'à la victoire, jusqu'à la victoire, jusqu'à la victoire. L'Ukraine, avec sa richesse inouïe, ses plaines céréalières, son sous-sol qui est gorgé, etc., de toutes sortes de minerais, l'Ukraine fait partie des quatre pays les plus pauvres, où le revenu est le plus bas. Pourquoi ? Parce que c'est un pays abominablement corrompu. Ah oui. Abominablement corrompu. Jamais... Monsieur Zelensky s'est fait élire en étant le champion de la lutte contre la corruption. En réalité, les Panama Papers nous ont révélé qu'il était d'accointance avec les oligarques pour des montages complètement véreux dans des paradis tropicaux pour mettre sa fortune à l'abri. Ça n'a jamais été réglé. Donc, ce que je veux dire, c'est que le petit contribuable français, le contribuable pauvre en France, va entretenir le corrompu ukrainien riche. Et ça me pose peut-être un petit problème. Dans un contexte d'isolement international et de sanctions occidentales, Moscou se tourne de plus en plus vers Pékin. Ce vendredi, lors d'une rencontre par visioconférence avec le dirigeant chinois Xi Jinping, le président russe Vladimir Poutine a dit vouloir renforcer la coopération militaire avec la Chine. Bien sûr, la coopération militaire et technique qui contribue à la sécurité de nos pays et le maintien de la stabilité dans les régions clés a une place à part dans les relations entre la Russie et la Chine. Et nous avons pour objectif de renforcer la coopération entre nos forces armées. De son côté, le dirigeant chinois a évoqué une nouvelle ère dans les relations bilatérales avec la Russie. Sous notre direction conjointe, le partenariat global et les relations stratégiques entre la Chine et la Russie dans cette nouvelle ère font preuve de maturité et de résilience.
Le potentiel interne et les valeurs particulières de la coopération bilatérale se font de plus en plus sentir. Des projets conjoints dans des secteurs prioritaires sont mis en œuvre de manière constante. Bien que la Chine soit un partenaire privilégié de la Russie, Pékin s'est gardé de soutenir l'invasion russe de l'Ukraine. Selon des experts, la Chine se méfierait de toute sanction internationale contre des pays considérés comme alliés de la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. Le gouverneur de la région de Kirov en Russie, Nikita Bielir, est accusé de corruption. Il a été placé en détention provisoire pour 2 mois. La décision a été prise par le juge Arthur Karpov, qui s'est déjà illustré dans plusieurs affaires politiques. Nikita Bielir a été arrêté vendredi dans un restaurant de Moscou, alors que lui étaient présentés 400 000 euros. Il est le 3e gouverneur arrêté cette année. Nikita Bielir assure être innocent. Et cette question tout d'abord, l'année 2023 sera-t-elle l'année de l'Inde? Elle préside depuis un mois le G20 et le Conseil de sécurité de l'ONU et elle se hisse de plus en plus comme une puissance économique de premier plan. La cinquième depuis quelques mois, l'Inde vient effectivement de ravir cette cinquième place au Royaume-Uni et c'est très symbolique puisque le Royaume-Uni c'était l'ancienne puissance coloniale. Il y a moins de 30 ans, l'Inde était seulement 15e puissance économique mondiale. C'est dire cette ascension fulgurante, surtout que ce n'est pas fini puisque l'Inde pourrait passer devant l'Allemagne et d'ici 2027 et d'ici 2030 même devant le Japon. Et le pays profite également d'une forte croissance, 6,8% prévu pour 2022, 6% encore prévu pour l'année pour 2023, là où de nombreux pays, les États-Unis, la Chine, l'Europe et un tiers des pays de la planète, selon ce qu'annonçait Kristalina Georgieva, la directrice du FMI, est sur le point d'entrer en récession. C'est donc une bonne santé de l'Inde presque insolente. Oui, c'est assez incroyable. Comment est-ce qu'on explique ce dynamisme, cette bonne santé économique de l'Inde? Alors d'abord, en premier lieu, vraiment par sa population. L'Inde va devenir cette année le pays le plus peuplé du monde, devant la Chine, avec 1,430 milliards d'habitants, de quoi fournir une main-d'œuvre qui est d'abord bon marché, 5 fois moins cher qu'en Chine pour les moins bien payés. Et puis c'est une population, c'est une main-d'œuvre qui est bien formée et éduquée. Le taux d'alphabétisation, il est passé en 30 ans de 60% à 92% aujourd'hui. 1,5 million d'ingénieurs sortent chaque année des universités indiennes qui sont extrêmement bonnes et qui forment parfois une élite qu'on retrouve à la tête des multinationales. Pour donner quelques exemples, Sundar Pichai, qui est le patron d'Alphabet, qui est la maison mère de Google, ou encore Arvind Krishna, le patron d'IBM. Ils font partie d'une diaspora immense, 28 millions de personnes. 28 millions, c'est plus que la population totale de l'Australie. Et on les retrouve aux États-Unis, on le disait, mais aussi au Royaume-Uni. Et ils envoient de l'argent très régulièrement au pays, plus de 90 milliards de dollars par an. Jair Bolsonaro n'a pas respecté la tradition. Le président brésilien sortant a quitté le pays et refusé de remettre l'écharpe qui symbolise la transmission démocratique du pouvoir dans son pays. Lula a confié la tâche à Eni Souza, une salariée du secteur du ramassage des déchets ménagers. Dès le premier jour de son 3e mandat, le nouveau président brésilien a signé plusieurs décrets pour annuler certaines des mesures phares de son prédécesseur. Nous abrogeons les décrets étendant l'accès aux armes et aux munitions qui ont causé tant d'insécurité et tant de mal aux familles brésiliennes. Lula est apparu ému et des sanglots ont interrompu plusieurs fois son discours d'investiture. De retour à la tête du Brésil, à 77 ans, l'ancien ouvrier métallurgiste a promis de gouverner pour tous les Brésiliens et pas seulement ceux qui ont voté pour lui. Lula s'est par ailleurs engagé à lutter contre toutes les formes d'inégalité et, en premier lieu, contre la faim qu'il considère être le plus grave des crimes. Parmi les premières mesures, Lula a investi 37 ministres, soit 14 de plus que dans le précédent gouvernement. 11 des membres de son gouvernement sont des femmes.
Les défis qui attendent Lula sont énormes. Non seulement le président brésilien devra reconstruire une économie en ruine, mais il devra également convaincre environ la moitié de l'électorat qui n'a pas voté pour lui et qui pense qu'il devrait être en prison et non au palais présidentiel, qu'il peut être leur chef aussi. Annalise Borges in Florianópolis, Southern Brazil, for Euronews. Kim Jong-un appelle à une augmentation exponentielle de l'arsenal nucléaire de la Corée du Nord. Le dictateur de Pyongyang estime nécessaire de renforcer massivement la force militaire de son pays face à ce qu'il estime être des manœuvres militaires inquiétantes des États-Unis et d'autres forces hostiles. Depuis plusieurs mois, les tensions entre Pyongyang, Séoul, Washington et Tokyo sont montées de façon spectaculaire. Trois missiles balistiques à courte portée ont été tirés par la Corée du Nord samedi et un autre dimanche à l'aube. Bonjour. Alors que peut-on lire dans les journaux ce matin ? Eh bien, on revient sur l'annonce de la visite du président Tebboune en France, la première depuis son accession au pouvoir, précise Le Soir d'Algérie. Le quotidien estime que cette visite d'État prévue pour cette année sera une étape supplémentaire dans le réchauffement des relations entre Alger et Paris. Pour sa part, le site Algérie Echo reprend cette phrase du président de la République « Si la mémoire fait partie de nos gènes communs, nous partageons aussi bon nombre d'intérêts fondamentaux ». Le jeune indépendant revient quant à lui sur le sujet du gaz. Le président de la République l'a abordé en indiquant que l'Algérie fait profiter de son surplus à d'autres pays. Et si la France demandait une augmentation des exportations de gaz, l'Algérie le fera. Et selon le président Tebboune, la France ne l'a pas encore demandé. Bonjour à tous. Avec vous, l'édito international sur Europe 1. Vous revenez ce matin sur la disparition de Benoît XVI, le pape émérite. C'était un samedi à 95 ans. Oui, la disparition du pape Benoît XVI a fait moins de bruit dans les médias et fait moins de peine aux journalistes que celle du roi Pelé. Et c'est normal, le foot a remplacé la foi pour communier dans la ferveur, comme au Qatar. Les papiers ont remplacé le pape pour dire le bien, éveiller les consciences, excommunier les récalcitrants. Il n'empêche, la mort du pape au dernier jour de l'an semble prophétique et il faut s'y arrêter. En plus, c'est permis, parce que depuis qu'il est mort, les mêmes qui ont accablé le Panzer cardinal répète que c'est un grand théologien, un gentil, un modeste, et jusqu'à jeudi, on aura droit à tous les lieux communs. D'abord, on radote que c'était un pape allemand, or l'essentiel est ailleurs, c'était un pape européen, le plus européen des papes. Ah oui, dans son testament, Benoît XVI exhorte les habitants de la Bavière à prier pour que, je le cite, « notre terre reste une terre de foi, ne vous laissez pas distraire de la foi ». Oui, il les supplie de résister au relativisme. La Bavière est une région profondément catholique, mais elle évolue comme la Bretagne hier. Les églises se vident, le clergé vieillit, la sécularisation avance à grands pas. Pendant des années, la presse allemande a dénigré Benoît XVI. Les progressistes ont entretenu la suspicion. On se souvient d'Angela Merkel elle-même faisant la leçon au pape après la découverte de propos révisionnistes d'un évêque. Nul n'est prophète en son pays. Mais plus généralement, c'est l'Europe que ce Bavarois avait au cœur. Quand il a été élu pape, il a choisi de s'appeler Benoît, saint patron de l'Europe. Il avait vécu la tragédie européenne, enfant enrôlé dans les jeunesses hitlériennes, le nazisme, la haine des juifs et de Dieu, la guerre, puis le communisme qui impose sa dictature à la moitié orientale. Comme pape, il a sillonné l'Europe, il a tenté de la réconcilier avec la Russie orthodoxe et de tenir la Turquie à l'écart. Sa culture était grecque, sa langue latine, sa musique européenne, et son dernier livre s'intitule « L'Europe, ses fondements, aujourd'hui et demain ». C'était le plus européen des papes, et sans doute le dernier. Mais pourquoi le dernier, Vincent ? Parce que la jeunesse de l'Église, les gros bataillons de catholiques, sont en Afrique, aux Amériques, en Asie, et il serait logique que le futur pape vienne de là. Le pape François lui-même arrive d'Argentine. En 10 ans, il a mis les pieds une fois en France, et encore, c'était au Parlement européen à Strasbourg, c'est-à-dire hors sol. Il y a parlé de l'Europe comme d'une grand-mère stérile. Il aurait pu ajouter sénile. Elle oublie qui elle est, d'où elle vient. Benoît XVI, lui, aimait l'Europe. Il disait, elle a deux âmes, une raison abstraite, anti-historique, qui veut tout dominer, au-dessus de toutes les cultures, et donc incapable de dialoguer avec le reste du monde. Et puis une âme
ancrée dans la tradition judéo-chrétienne, la raison ancrée dans la liberté de la raison critique. Chrétien ou pas, il faut y croire, c'est vital pour l'Europe, et dire paix à cette âme. Une nouvelle ère a commencé pour la Croatie ce 1er janvier 2023. Avec l'adhésion à l'espace Schengen, les contrôles aux frontières ont été supprimés et la kuna a été remplacée par l'euro comme monnaie nationale, devenant ainsi le 20e pays à utiliser la monnaie unique. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est rendue à Zagreb ce dimanche pour marquer l'occasion et faire un peu de communication. En compagnie du Premier ministre croate, Andrei Plenković, elle a pris un café qu'elle a payé en euros devant dénué de photographes. Car le changement de monnaie suscite des inquiétudes parmi la population qui craint une hausse des prix. Mais dans les rues de Zagreb, l'arrivée dans l'espace Schengen est plutôt une bonne nouvelle. C'est très bien pour tous les Croates et pour toute l'Europe. Parce que nous attendons toujours une à deux heures à la frontière pour la franchir. Mais maintenant c'est parfait, on aime ça, c'est très bien. Pour les touristes, l'arrivée de l'euro va largement faciliter le quotidien. Je viens des Pays-Bas, donc chaque fois que je viens ici, je dois changer des euros en kuna. Et maintenant, je n'ai plus besoin de le faire, donc c'est très bien. Et je pense que puisque la Croatie fait déjà partie de l'Union européenne, cela rend tout plus facile. La Croatie devient le 27e pays à adhérer à l'espace Schengen, une petite révolution pour un pays qui a connu la guerre il y a moins de 30 ans. La frontière entre la Slovénie et la Croatie est longue de 670 km. La conférence de presse s'est tenue à son point le plus fréquenté, à une dizaine de kilomètres de Zagreb. En 2019, avant la pandémie de Covid-19, 29 millions de personnes ont été enregistrées au poste frontière entre les deux pays. Magyar Ádám, Euronews, Bregana, Horvátország. Michel Onfray, c'est donc une conversation inédite avec Michel Houellebecq à la une d'un numéro exceptionnel de votre revue Front Populaire au mois de décembre, qui a fait aussi couler beaucoup d'encre et enflammé. La critique, Libération a dénoncé vos névroses, Le Monde a fustigé, parlant de Michel Houellebecq, d'une radicalisation à l'extrême droite. J'imagine que ça ne vous surprend guère. Non, il faudra un jour d'ailleurs que j'écrive un papier en caricaturant ces gens-là. Peut-être dire, voilà, mon prochain livre, je vais aussi faire la critique telle qu'elle paraîtrait dans Libération. Ou dans Le Monde, ils sont tellement prévisibles, ces gens, avec des arguments qu'on connaît. Vous êtes toujours d'extrême droite, vous nourrissez le Front National, vous êtes parti de l'autre côté de l'échiquier politique, vous étiez tellement sympathique quand vous étiez de gauche, pourquoi est-ce que vous êtes devenu fasciste, etc. Et donc vous avez des névroses aussi. Sûrement, oui, là vous me l'apprenez, parce que je ne lis pas ces choses-là. Donc on sait qu'à Libération, ils n'ont aucune névrose, hein. Ils ont défendu la pédophilie, ils ont défendu récemment la coprophagie, le fait de manger les excréments, d'avoir des relations sexuelles avec les animaux. Mais il n'y a aucun problème, Libération sont des gens bien qui n'ont pas de névrose. Hein. Libération n'a pas de névrose, tout va bien. Le numéro est intitulé « Fin de l'Occident » avec un point d'interrogation. Il y a quand même un point d'interrogation à la une, mais en vous lisant tous les deux, Michel Onfray et Michel Houellebecq, il est quand même possible de le retirer, ce point d'interrogation. Oui, je ne vais pas dire que c'est presque un argument de vente, mais enfin, quand j'y songe, oui, de fait, moi, j'enlève le point d'interrogation, et Michel Houellebecq aussi, on est tous les deux d'accord. Parce que je suis comme vous, triste de voir la France s'enfoncer dans le déclin. Je suis en colère de voir le président de la République et le gouvernement saboter, détruire notre pays. Et je suis encore plus triste de voir malheureusement, parfois, beaucoup d'entre nous résignés, comme si on ne pouvait pas changer les choses. Or, en 2023, il est de notre devoir de changer les choses. Je veux vous dire que notre pays peut s'en sortir, que si notre pays était gouverné avec honnêteté, avec bon sens, en s'appuyant sur les Français par référendum, le fameux RIC, référendum d'initiative citoyenne, si on faisait des économies sur les immenses gaspillages, si on investissait l'argent dans nos services publics, dans nos campagnes, dans nos villes, si on reconstruisait l'école publique, l'hôpital public, l'université, si on récompensait les chefs d'entreprise qui relocalisent et investissent en France, si on augmentait les salaires nets en baissant les charges salariales pour ceux qui travaillent dur, eh bien je peux vous dire que notre pays irait mieux.
si on contrôlait l'immigration, si on contrôlait nos frontières, si on cessait d'obéir à Bruxelles et à l'Union européenne qui nous tue à petit feu, je peux vous dire que la France se redresserait très vite. Souvenez-vous, en 1958, quand le général de Gaulle est revenu, tout le monde disait « Mais comment peut-il redresser le pays ?» Et en quelques années seulement, la Ve République a redonné vie à la France, fierté aux Français. Alors, la question qui se pose en cette année 2023 qui arrive, est-ce qu'on attend 2027 ou est-ce qu'on le fait tout de suite? Eh bien moi, je pense que notre pays ne peut pas attendre 2027. Voilà pourquoi je demande à toutes les forces politiques, patriotes, souverainistes, républicaines, d'où qu'elles soient, de gauche, de droite, de s'unir pour voter une motion de censure, pour chasser ce gouvernement, pour obliger Emmanuel Macron à dissoudre l'Assemblée nationale, car je sais qu'aujourd'hui, en 2023, s'il y avait des nouvelles élections législatives, eh bien je suis certain que les patriotes, les républicains, les souverainistes gagneraient haut la main les élections législatives et pourraient d'ores et déjà, sans attendre 2027, former un gouvernement d'union nationale qui redresse le pays. Le navire est en train de couler. Il faut boucher les trous, il faut reconstruire, il faut sauver la France. C'est tout l'enjeu de 2023. En tout cas, je ferai tout pour cela. Et je vous souhaite, à titre personnel, comme à titre collectif, une belle année 2023 de redressement national. Alors, à propos de vœux, Emmanuel Macron les a présentés aux Français samedi soir, les invitant à se rassembler, à éviter, je cite, hein, l'esprit de division. Il a parlé aussi, évidemment, des réformes, la réforme des retraites qu'il veut mettre en place. Certains disent déjà que cette année 2023 est l'année de tous les dangers pour le président réélu, Arlette. Hein. Il faut dire que cette année 2023, c'est l'année utile pour le président de la République, le gouvernement et la majorité. C'est ainsi qu'elle est présenté, parce qu'en 2024, on entrera dans une autre séquence, il y aura des élections européennes, il y aura aussi les Jeux Olympiques, et puis après, ce sera trop tard pour entamer des réformes fondamentales. Donc, dans les 6 mois qui viennent, le président de la République va concentrer toutes les réformes, et toutes les réformes difficiles. On va parler dans un instant des retraites, mais aussi il y a la loi sur l'immigration, il y a des textes sur l'éducation, les réformes de la santé, dans l'hôpital, avec un engagement que personne n'a peut-être vraiment entendu samedi soir dans la bouche du président. Les Français vont constater... Il a dit tellement de choses qu'on avait du mal à retenir. Voilà, alors là, sur ces sujets éducation, santé, les Français verront des changements dans les mois qui viennent, a promis le président de la République, ça n'est pas rien. En fait, cet agenda des priorités, il ressemble furieusement à celui de 2017. Ça veut dire qu'au fil des mois ou des années, parce qu'il y a eu peut-être d'autres crises, ces chantiers ont été abandonnés, mal conduits, mal gérés, et les changements peut-être insuffisants. Donc si on revient aux retraites, c'est bien la deuxième tentative du gouvernement pour réformer, mais la réforme d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celle de 2017, on le sait. Celle-ci a été déjà décalée à 2 reprises, de septembre à décembre, de décembre à janvier. Officiellement, ce sont des replis tactiques pour permettre à la première ministre qui conduit le projet avec le président de la République de continuer la concertation. A-t-elle une chance de faire bouger les syndicats? Personne ne le croit. Une seconde, tous sont opposés au report de l'âge de départ à la retraite. A-t-elle une chance d'élargir les soutiens politiques? Personne n'y croit non plus. Tout repose sur la bonne volonté des Républicains qui, a priori, sont favorables au report à 64 ans et qui ont l'intention aussi de demander au gouvernement de prendre des mesures précises, notamment sur les basses retraites, le niveau le plus bas, et qui va monnayer très cher son soutien éventuel au projet gouvernemental. Oui, et du côté des oppositions, parce que janvier va être chaud, a prévenu par exemple Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que ce sera 2023 une bonne année pour les oppositions dans leur ensemble? Alors, ça, c'est pas comme ça que ça marche. Hein. C'est pas parce que le gouvernement a des difficultés que les oppositions vont bien. Parfois, tout le monde va mal et c'est en même temps. Mais c'est vrai que ce sera un test pour les oppositions cette année 2023 aussi. La gauche, oui, mobilise déjà. D'ailleurs, il y a une date de mobilisation qui est déjà fixée au 21 janvier par la France Insoumise. Mais on se souvient qu'au mois d'octobre, la marche contre la vie chère n'avait pas obtenu le succès escompté par la gauche. Vous savez, il faut dire de manière générale que les Français n'obéissent plus comme ça aux consignes. On l'a vu dans les derniers mouvements à la SNCF, on le voit aujourd'hui avec la grève des médecins.
Ce sont des coordinations qui mènent le jeu et qui décident. Quant aux Français eux-mêmes, on verra bien ce qu'ils diront, comment éventuellement ils se mobiliseront. Il y a plein d'éléments qui vont entrer en ligne de compte. Il y a bien sûr la réforme des retraites, il y aura aussi la hausse des tarifs de l'énergie, il y aura l'inflation, c'est ça qui déterminera ou conduira à un éventuel mouvement. Donc personne ne sait ce qui va se passer. 49-3 pour le gouvernement, censure à l'Assemblée, que fera le Rassemblement national pour le gouvernement? Il reste l'arme, évidemment, de la dissolution, mais là encore, on dit, rien avant 2024. Ouais. Merci Arlette Chabot, et puis évidemment, vous revenez tout à l'heure à 9h-20, nous en parlerons avec vous de tous ces défis qui s'annoncent, et je l'évoquerai aussi de façon très concrète avec Christian Saint-Etienne, l'économiste qui sera mon invité politique tout à l'heure à 8h20. Vos réactions aussi, et très concrètes, bien sûr, comme d'habitude, 0826 300 300. Période des vœux justement et des résolutions, Emmanuel Macron a longuement exposé les siens samedi devant les Français. Alors vous, Vincent, ce matin, vous avez des souhaits pour 2023 beaucoup plus modestes. C'est-à-dire que comme tout le monde, j'aimerais que le chômage baisse et que les salaires augmentent, que le nucléaire fonctionne et que les prix d'énergie s'en ressentent. Je rêve comme tout le monde d'un État qui restaure son autorité et qui maîtriserait ses frontières. Mais voyez-vous, je n'ai pas beaucoup d'illusions. Non, pour cette année qui commence, mes demandes sont bien plus modestes. Elles se résument en une requête qui s'adresse à tous les politiques de tous les partis. Et cette requête, c'est la suivante. En 2023, par pitié, prenez soin de notre langue et parlez-nous en français. Ah, jusqu'à preuve du contraire, Vincent, le français, c'est la langue officielle de la politique dans notre pays, hein ? Officiellement, oui. Mais dans les faits, il faut voir comment on nous parle, comme chante Alain Souchon. Sans arrêt, nos oreilles sont heurtées par une forme de pollution sonore. Alors je pense évidemment aux celles et ceux, ce tic de langage qui se veut paritaire mais qui est surtout gnan-gnan. Un tic qui tourne à l'absurde quand Emmanuel Macron, devant les joueurs de l'équipe de France de football, donc devant 23 garçons, remercie celles et ceux qui vont accrocher le maillot. Puis je pense aussi à cette novlangue techno-managériale qui a explosé pendant le Covid et qui continue de se répandre de ministère en ministère. En général, ça donne ça. Nous sommes en capacité, à date, de lancer une mission flash dans une logique bottom-up afin de créer une task force. Et ensuite, nos ministres invoquent les territoires et les quartiers. Mais qu'est-ce que ça veut dire, les territoires et les quartiers? Est-ce qu'il y a des quartiers qui ne sont pas des territoires et des territoires sans quartiers? Et puis enfin, il conclut en disant qu'il travaille en responsabilité, en citoyen, en européen. Mais tout ce sabir, c'est le maire de Champignac perdu chez McKinsey. Et c'est pareil pour le lexique écologique, qui est plus déprimant qu'un rapport du CESE. Pourquoi ne pas dire terre plutôt que planète? Et faune, et flore, et nature, plutôt que biodiversité. Quant à l'acronyme COP27, 28, 29, on dirait un formulaire administratif, et ce n'est pas avec ça qu'on sauvera la beauté du monde. Et puis enfin, il y a les slogans du politiquement correct qu'on enfile comme des perles. Alors ces mots-là, Dimitri, quand vous les entendez, il faut comprendre le contraire. Par exemple, le vivre ensemble. Le vivre ensemble, cela veut dire que les gens ne se supportent plus et qu'ils sont au bord de l'affrontement. Si l'on vous dit inclusif, c'est qu'on va exclure à tour de bras. Si l'on vous dit que la discrimination sera positive, c'est que pour la majorité, le résultat sera négatif. Enfin, si l'on vous promet des mobilités douces, c'est que votre vie de piéton, prise entre les vélos et les trottinettes, sera plus dure que jamais. Mais Vincent, vous croyez vraiment que cette question du verbe, de la langue, ça a des conséquences politiques ? Oui, et très importante, il me semble. Ce jargon ajoute au malaise d'un pays qui ne sait plus qui il est. La novlangue, pour les gens ordinaires, a quelque chose de décourageant, de vexant, comme si on ne leur parlait plus. En revanche, le plus aisé comme le plus modeste se sent considéré quand on lui parle correctement. Depuis 1985, Fabrice Lucchini, fils de marchand de fruits et légumes, fait sale comble tous les soirs, avec comme seule promesse le génie et la beauté de la langue française. Nos politiques ne gagnent rien à vouloir faire manager, à vouloir faire peuple, à vouloir faire jeune. Leur seul souci devrait être la clarté, la pédagogie, la vivacité, la spontanéité. S'ils veulent qu'on les écoute, qu'ils commencent par nous parler français. Il y en a un que j'aime bien en ce moment, c'est Concerté. Traite, levée de rideau sur le texte, le 10 janvier,
en principe. Alors, ça, c'est le petit ajout, si je puis dire, de ces derniers jours de la presse qui prend quelques précautions. À 8 jours de l'événement, se pourrait-il que dans la semaine, la réforme des retraites soit abandonnée face au front qui est en train de se former contre elle. On sait que le projet est très impopulaire, qu'Emmanuel Macron joue gros, qu'il avance en terraminé. Et on en parle ce matin avec Carole Barjon, grand reporter à l'Obs. Bonjour Carole. Bonjour Dimitri, bonne année. Et bonne année également. Charlotte Dornelas de Valeurs Actuelles est avec nous aussi. Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri. Alors on ne va pas répéter que ce n'est pas la même réforme qui était initialement prévue. Hein. Vous rappelez, c'était un projet de régime universel avec âge pivot. Bon, finalement c'est plus simple. C'est aussi socialement plus violent, cette idée d'un report de l'âge de départ à 65 ans. Et alors, j'insistais sur ce « en principe » qui est ajouté désormais à la date de présentation le 10 janvier. Est-ce qu'il serait possible que la réforme soit annulée, soit reportée une nouvelle fois? Rappelons quand même que cette présentation devait avoir lieu le 10 décembre, donc il y a un mois déjà, Charlotte. Hein. Ben, j'ai l'impression qu'avec cette réforme des retraites sous Emmanuel Macron, tout est désormais possible. Et là, je parle de la forme, hein, même pas du fond, de la forme, parce que souvenez-vous, alors ça devait être le 10 décembre pour celle-ci, pour cette mouture-là, mais son premier quinquennat avait déjà été échelonné par cette histoire de réforme des retraites, qui avait été très bien préparée, qu'il n'y avait pas un ministre qui était capable de l'expliquer de la même manière que son collègue. C'est vrai. Et qu'on n'y comprenait absolument plus rien. Et là, on nous dit, ça va tout changer. D'ailleurs, même les raisons changent. C'est-à-dire qu'on ne sait plus très bien pourquoi on fait cette réforme. Et à mon avis, au-delà du désaccord politique de fond qui peut exister sur la réforme, le fait de ne pas pouvoir discerner une véritable raison qui tient sur la durée et qui paraît donc évidente ou rationnellement acceptable, à mon avis, c'est le plus gros ferment de division. Si on n'est pas capable, franchement, si on n'est pas capable, nous Français, de comprendre la véritable raison de cette réforme, vous savez, parfois il y a des réformes, surtout ce genre de réformes un peu techniques, il y a des réformes d'emblée, on se dit travailler plus, pourquoi faire, ou on n'a pas envie de le faire, ou ça dépend de son métier, ça dépend de son état de vie, etc. C'est vrai que si on prend l'exemple de la réforme de l'assurance chômage, avec cette idée qu'il faut inciter davantage ceux qui n'ont pas d'emploi à en reprendre, c'est assez clair. Le motif est assez clair. Et puis on peut tous se raccrocher in fine ensemble, rationnellement, à une raison qui nous paraît lisible et surtout légitime. Oui. Or là, elle est difficile à avoir, d'autant qu'Emmanuel Macron change quasiment à chaque fois qu'il parle de motif. Alors oui et non, parce qu'il dit, il faut travailler plus longtemps. Mais ça, c'est pas une raison. De position un peu dogmatique. Oui, mais ça va dégager des marges de manœuvre budgétaires pour financer d'autres choses, notamment la transition énergétique. Il avait commencé par ça. Voilà. Et là, ça devient quand même très compliqué pour le commun des mortels.